Good morning, allez, dans les titres aujourd'hui, les Lunishmat, Avram Chayin Orber Ben Fortuné Mazal, Rahamim Ben Rosa, Yedida Vatester et Eliaou Vanish. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, connectez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sakhter Chin, Perikret Mishnah Alef, Hamakdish et Sadehu, Besha'a, Shehen Ayouvel. Omrim lo, Petach Atarishon, Shabéalim Notin Chomesh, Bechol Adam Eno Notin Chomesh. Fin du premier sujet. Deuxième sujet. Maase Bechad Shikdish et Sadehu Mipener Aata. Amrolo Petach Atarishon, Amar Arehi Sheli Beisar. Amar Rabbi aussi lo amar zela beka beitza, shaikdesh nivde bekesef ou beshave kesef. Amar lo higi atecha, nimtza mafsidisar besadehu lefanav. On commence à traduire directement et on va expliquer ensuite la source. Hamakdish et sadehu besha shena yovel. On parle d'une personne qui va sanctifier son champ à l'époque, à une époque où il n'y a plus de yovel. C'est-à-dire, il va falloir différencier trois situations. Tout d'abord, la Torah, elle nous a donné la misa du Yovel. C'est-à-dire que tous les 50 ans, eh bien, on redonne à chacun, on redistribue les cartes. En fait, les champs qui ont été achetés, vendus, investis, tout ça, on rend tout, chaque parcelle de terrain, elle revient chez sa tribu initiale, et puis on va refaire un partage des terres équitables entre les gens de chaque tribu, et voilà, tous les 50 ans. Ça, c'est le Yovel. Maintenant, durant cette période du Yovel, ça c'est de manière générale, c'est quoi le Yovel? Non, tout de suite j'introduis encore autre chose. Il y a une halakha qui nous fixe que le Yovel, on le fait, il est en vigueur que lorsque tout le Ham Israël se trouve sur sa terre. Par contre, à partir du moment où il y a eu, dans l'histoire du Beit Rishon déjà, il y a eu je crois après même pas 200 ans du Beit HaMikdash, il y a déjà eu Bnei Gad ou Bnei Reuven et Hatzi Shevet Menaché qui sont déjà partis en Galout. Tous ceux qui étaient Mever à Erden, de l'autre côté du Jourdain, les enfants de Gad et de Reuven et la moitié de Shevet Menaché, ils sont partis en Galout plus tôt. Sanhérib les avait déjà pris. Il y a même eu, ensuite, il y a eu Aseret HaShevatim. Il y a eu deux, comme ça plusieurs époques. Et jusqu'à quel moment il y a eu Galout Yehuda. Il y a eu Galout Israël et Galout Yehuda. C'était deux périodes. Eh bien, à partir du moment où il y a eu une partie du Ham Israël qui est partie en exil, il n'y avait plus de minag, on faisait plus le Yovel n'était plus en vigueur. C'est écrit, parce qu'il est écrit dans la Torah, « Ukartem deror ba'aretz lechol yosheveha ». Vous appellerez la libération sur le Yovel, il y a marqué « La libération viendra pour tous ses habitants ». Donc on est dit là, quand il y a tous les habitants, on fait le Yovel. Dès qu'il n'y a plus tous les habitants, on ne fait plus le Yovel. D'accord? C'est indépendamment lié de la grande machloquette, est-ce que... qui est tranché même, qu'il n'y a pas de Troumot Mizmanézé, parce qu'il n'y a plus, on ne fait pas de Troumot Maasrot Minatora aujourd'hui à notre époque, parce qu'on n'a plus le Ham Israël qui est sur sa terre. Là, il faut juste la majorité du Ham Israël. Mais spécialement pour les terres, on veut que chaque tribu elle soit à sa place. D'accord? On va faire la parenthèse. Ça, c'était pour le Yovel. Maintenant, lorsque le Yovel n'est pas en vigueur, d'abord, excusez-moi, je reviens maintenant. Lorsqu'on sanctifie le champ, c'était le péric précédent qui m'a appris, je sanctifie mon champ, c'est ma parcelle que j'ai reçue, c'est le patrimoine de la famille, je l'ai sanctifié, eh bien, la Torah m'a fixé un prix fixe pour le racheter, Zerach Omer Seorim, 50 shekel. Au mètre carré, 50 amas sur 100 amas, je dois donner 50 shekels pour 50 shekels de l'époque, bien sûr, pour les 50 ans, et c'est divisable selon les années qui restent. Donc il y avait un grand fridouche que lorsque je sanctifie mon champ et que moi, le propriétaire, je vais vouloir le racheter, lorsque moi, le propriétaire, je sanctifie et je vais vouloir le racheter, je devrais le racheter en payant un prix fixe au mètre carré, peu importe si c'est une terre fertile ou plutôt une terre sèche. D'accord? Ce chidouche-là de payer avec le prix fixe et non selon la valeur exacte du terrain n'est en vigueur que lorsque tout le Ham Israël est sur sa terre. Mais dès qu'il n'y a plus le Yovel, alors même si le propriétaire il va vouloir racheter le champ, eh bien, il devra le racheter selon sa valeur exacte, selon sa valeur marchande. D'accord? Et ce que la Mishnah m'enseigne, la Mishnah n'enseigne même pas. Une fois qu'on est censé connaître ça, alors la Mishnah va continuer à parler d'un cas encore plus précis. Hamakdish et Sadehu Beshaa Shen Ayovel, celui qui va sanctifier son champ, alors qu'on est à une époque où il n'y a plus de Yovel. Il y a encore le Beit HaMikdash, puisqu'on sanctifie pour le Beit HaMikdash, mais il n'y a plus le Yovel en vigueur. Dans ce cas-là, le propriétaire qui va devoir le racheter, il va devoir payer la valeur exacte du champ. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule la valeur exacte du champ? C'est là où ça va devenir intéressant et ça va être le sujet des quelques prochaines Mishnayot. On fait une vente aux enchères. Chacun vient, il propose son prix. Et alors là, le propriétaire va proposer un prix, et les autres personnes vont proposer un prix. La Mishnah enseigne, Omrim lo, on va dire au propriétaire, Petach ata rishon, ouvre-toi les enchères, propose-toi le premier prix.
Pourquoi? Parce qu'on est intéressé à ce que ce soit toi qui rachètes le terrain. On te donne priorité à toi à le racheter. Pour quelle raison? Chez Abéalim Notnin Chomesh, parce que le propriétaire devra rajouter quoi qu'il arrive, il devra toujours ajouter un cinquième. Tandis que Vechol Adam Enon Noten Chomesh, tandis que toute autre personne ne doit pas rajouter le cinquième. C'est-à-dire, d'abord, on avait expliqué que le cinquième, c'est pas cinquième, c'est le quart. C'est-à-dire, un champ qui coûte. Si le. Moi, maintenant, est-ce que je veux vouloir acheter ce terrain? Alors, je dis oui, je suis prêt à donner 1000 shekels. Alors, si je suis le propriétaire du champ, puisque je suis le propriétaire qui l'a sanctifié, lorsque je veux vouloir le racheter, je dois rajouter le cinquième, donc pas 200, mais 250. D'accord? 200, c'est le cinquième quand on calcule. 2000, le cinquième. Mais la Torah, on calcule souvent 1000 ébars, ce qu'on appelle 1000 égaves, depuis l'intérieur ou de l'extérieur. De l'intérieur, alors le cinquième de 1000, c'est effectivement 200. Quand on calcule de 1000 ébars de l'extérieur, c'est-à-dire c'est le supplément que tu vas rajouter de manière à ce que le supplément va représenter le cinquième de tout le prix que tu payes. Donc en gros, tu rajoutes le quart, comme ça le quart devient un cinquième. D'accord? Comme ça, quand tu vas payer 1250 shekels, faites la division, 1250 divisé par 5, 250. Donc tu as rajouté 250, c'est le cinquième. D'accord? Ça c'est entre parenthèses, le partenaire qui nous l'explique ici, dans le Dibra Matril, chez Abéalim, Notni, Natachomesh. Donc en fait, on récapitule, c'est très simple. Donc finalement, on va faire une vente aux enchères, et on va toujours donner propriété au propriétaire à proposer, priorité au propriétaire, à proposer son prix. Pour quelle raison? Parce qu'il y aura un gain pour le Hekdesh, que le Hekdesh recevra le cinquième supplémentaire, le quart même supplémentaire, si on veut parler avec notre langue. D'accord? Ouais, c'est clair? On aura l'occasion d'en reparler encore dans les prochaines Mishnayot, il y aura plein d'alerotes qui dépendront de ça. Pour le moment, la Mishnah continue à me raconter maintenant une histoire qui va m'apprendre en fait quelque chose d'un peu différent. Je traduis directement. Maase be'echad, shigdish et tzadehu mipene ra'ata. Il y a eu une histoire avec une personne qui a sanctifié son champ mipene ra'ata parce qu'elle était trop mauvaise. Il avait un champ où finalement, il fallait dépenser plus d'argent que ce que ça rendait. Donc, rendement négatif. Tu mets 1000 shekels et tu récupères 900 shekels. Ça vaut pas le coup. D'accord? Il a dit, allez, ce changement, débarrasse, je le donne au Hekdesh. Amrolo petach atarishon. Donc, quand même, on a voulu le vendre. Un champ, c'est vrai qu'il est mauvais en tant que champ, mais ça peut toujours servir pour mettre des ustensiles. S'il y a un champ à côté qui est fertile, lui, et qui va vouloir stocker là-bas toutes sortes construire un hangar, peu importe, il y a plein de choses à faire avec un champ, même s'il n'est pas fertile. Donc, en tout cas, lui l'a sanctifié, il valait pas le coup pour lui. Amrolo petach atarishon. Alors, on lui a dit, écoute, ouvre-toi quand même le premier prix. Amar, arei, sheli, beissar. Je mets un issar sur ça. Un issar, c'est une des plus petites pièces. Ça représente 8 proutot, selon ce Saddam Po. Vous vous rappelez, Saddam Po Dovev, le dernier, c'était le issar, comme l'Einstein de Kiddushin nous enseigne. Vekama ou issar, echad mishmone, beissar, italki. Vekama ou prouta, echad mishmone, beissar, italki. Un issar italien, c'est le même issar, alors il y a 8 proutot dedans. Donc maintenant, il a dit, moi, je mets 8 proutot. 80 gourottes, d'accord. Amar Rabbi aussi, il rectifie, dit non. Lo Amar Ze Ela Beka Beitsa. Celui-ci n'a pas dit qu'il voulait donner un hissar, une pièce d'un hissar, mais il voulait donner un œuf. Pour moi, je suis prêt à donner un œuf. On a du mal à comprendre c'est quoi la marque-loquette. Une marque-loquette, finalement, est-ce qu'il a proposé de donner l'équivalent de 8 poutotes ou l'équivalent de un œuf? Un œuf, entre parenthèses, ça coûte difficilement 2 poutotes, mais pas plus. Et c'est là où il y aura toute la marque-loquette. Comme ce que le partenaire va nous expliquer ensuite, pour le moment j'avance. Chez Hekdesh, Nivda, Bekesaf ou Bishav, Bekesaf. Entre parenthèses, Rabbi aussi t'apprend, tu sais, que lorsque tu rachètes le Hekdesh, tu peux payer en argent ou même en contre-valeur, en nature. Tu peux aussi payer à la place de donner 10 shekels, tu vas donner un carton d'œufs. De 12 œufs, ça coûte 10 shekels. Je sais pas, je fais pas souvent les courses, mais sûrement quoi. En tout cas, au Bishav, Bekesaf. Amarlo, Igi, Atra. Alors, en tout cas, maintenant l'histoire continue à nous raconter que. Quand il a voulu proposer l'œuf, qu'il a été tout à fait en droit de donner un œuf, alors on a dit, bon, tu as gagné, allez, on te le laisse, tu l'as eu. Et la Mishnah conclut avec une conclusion encore plus bizarre, en me disant, Nimtsa mafsid issar vesadeu lefanav. Il s'avère donc que finalement, il aura perdu, il aura donné, versé un issar, comme l'avis de Tanakama. Donc on est venu en fait nous apprendre que la lachal est fixée comme Tanakama, vesadeu lefanav et son champ reste devant lui. Je récapitule cette histoire un petit peu bizarre. On a du mal à comprendre ce qui se passe et le Bartenoura, il nous synthétise la Gemara qui a expliqué en fait de quoi ça parle. Il y a eu en fait quelqu'un qui a sanctifié un champ qui valait rien du tout. Il était rendement négatif, donc ça vaut rien. Et là, quand même, finalement, une fois qu'il a sanctifié, le Gizbar l'a voulu le vendre, il a dit bon, allez, je donne Marloquette. Je donne 8 proutotes ou un œuf. Un œuf, entre parenthèses, on a appris qu'on peut donner quelque chose payé en nature, même avec des objets en guise de contre-valeur. Mais l'œuf, en tout cas, il coûte que 2 proutotes. Une prouta, 2 proutas maximum.
Quelle est la marque profonde en fait? Et ici, une discussion, le bartender il explique que on avait dit qu'il faut rajouter un cinquième. Selon Tanakama, il faut nécessairement prévoir un prix que tu vas pouvoir rajouter un cinquième qui vaut une prouta. Étant donné que moins qu'une prouta, ça ne coûte pas de l'argent. Donc en fait, il faut qu'au minimum, tu proposes le prix d'entrée, que ce soit 4 proutotes, de manière à ce que le cinquième va coûter une prouta. Ouais, comme ça sera la cinquième prouta. Mais tu ne pourras pas faire un prix d'ouverture de 3 proutotes. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas donner? Tu vas pas, si tu dois donner le cinquième de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Quel cinquième tu vas donner? Tu ne peux pas diviser la prouta plus petite qu'une prouta. Donc, tu es obligé de proposer au minimum 4. De ce fait, c'est pour ça que l'histoire raconte qu'il avait proposé un hissar. Rabbi aussi vient nous dire non, il a proposé même un beitza. Parce que ça vous coûte une prouta, même moins. Et c'est pas grave, il rajoutera quand même le cinquième selon la contre-valeur. Il payera en contre-valeur. D'accord? Et la Mishnah continue avec la phrase finale pour m'enseigner Nimsa Mafsid Issar Vesade Ulefanav. Pour me dire, sache que. On récapitule l'histoire. Donc, en fait, il s'avère qu'il aura dépensé un hissar et son champ sera resté devant lui. Pour te dire, en fait, la halakha est établie comme chachamim qu'il faut nécessairement qu'il y ait une prouta, qu'il y ait que le chomesh lui-même, que le cinquième, vale une prouta. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'aslachakot. Tout, salam.